Salut tout le monde, c'est TheFragHD, comment allez-vous? Moi je vais super bien et donc aujourd'hui on se retrouve pour mon épisode 2 du Top 10 Kills. Vous l'attendiez tous, il est enfin là pour vous. À la 10ème place, nous retrouvons Amazin Shot HD qui joue au FMG9 Akimbo. Il va commencer par nous faire une jolie élimination multiple. Il va nous enchaîner le 5ème kill très rapidement et finir par un 6ème kill. Bien joué à lui. À la 9ème place, nous retrouvons Mitch Optic qui joue en R&D sur Black Ops. Il nous fait déjà 2 petits kills au sniper. Il va surtout pas s'arrêter là à nous enchaîner le 3ème kill, le 4ème. Et regardez, il va monter en haut. Il va flasher le claymore quand même pour pas se faire avoir bêtement. Ça serait con de casser sa série par un claymore. Il va nous enchaîner le 5ème et le 6ème en killcam final. A la 8ème place, nous retrouvons Pêcheur du 78 qui joue en R&D hardcore avec l'AK-47 silencieux. Il va nous faire un très gros rush sur arrêt. Accrochez-vous bien. Il nous commence par nous faire une jolie quad et il va faire le dernier ennemi pour faire un full team. Très bien joué à lui. À la 7ème place, nous retrouvons Dadan 936 qui joue sur Modern Warfare 3 avec le javelin. Et regardez ça, il connaît un très bon spot. Vous allez voir quand même. Ça fait plaisir de faire autant de kills avec un javelin. Il nous fait une magnifique quad. À la 6ème place, nous retrouvons Ramzik Tomahawk qui va lancer son colis piégé. Regardez bien ça. Ça va être assez formidable. Il va mourir. Là, je vous ai fait un petit montage. Il va nous faire une quad de colis piégé. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que cette quad a été réalisée en killcam finale. On va voir cette killcam finale ensemble. Donc, on voit les 4 ennemis qui essayent de prendre le colis et qui se font tous avoir. Et oui, il faut pas être trop bête les gars, il faut faire attention quand c'est les colis piégés. À la 5ème place, nous retrouvons Corveras qui joue en recherche et destruction. Il est en haut là comme ceci et regardez bien, il va tourner à droite et va nous faire un jump scope. Franchement, ce kill m'a beaucoup plu. Il était original, je connaissais pas spot, je pense qu'il y en a qui le connaissent, donc bien joué à lui. À la 4ème place, nous retrouvons Season HDX qui joue au G36C. En élimination confirmée, il va nous faire une jolie petite triple. Mais rassurez-vous, il ne va pas s'arrêter là. Il va rusher. Il va faire le 4ème kill ici. Pour nous offrir, je crois, une quad feed ou une 5 feed. Je ne sais plus. Il va délivrer très rapidement son Reaper. A la 3ème place, nous retrouvons Ethnie Barbac. Qui va nous faire un très joli protège-bombe sur résistance. À la bombe B. Regardez ça. C'est en killcam final, bien entendu. On va voir cette killcam ensemble. Il lance son lancer de couteau. Il rebondit contre le mur pour achever l'ennemi qui tentait de désamorcer la bombe B. Très bien joué à toi, très joli spot. A la 2ème place, nous retrouvons le Faucon Noir 13 qui va nous faire un premier kill au FMG9 Akimbo. Mais rassurez-vous, il ne va pas jouer avec les FMG9 Akimbo. Il prend la CR, il nous fait un kill ici, un deuxième, un troisième. Il a tous ses atouts spécialistes. Et là, accrochez-vous bien, tous les ennemis vont arriver. Il nous fait une jolie élimination multiple avec une petite assistance. Là, il va nous refaire un kill, un deuxième. Un troisième, un quatrième, une petite assistance qui va réaliser maintenant. Alors c'est vrai qu'avec toutes les assistances, il a dû un petit peu rager. Il nous fait quand même 12 kills en très peu de temps. C'est très joli de ta part. À la première place, nous retrouvons Mads Badstick. Et regardez ce trick shot qu'il nous fait en killcam final. Magnifique, juste magnifique. Quand j'ai vu ce clip, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Regardez ça, switch insertion tactique. Il saute dans le vide, no scope titanique. Excellent clip de ta part. Si toi aussi tu veux participer au prochain Top 10 Kills qui sera l'épisode 3, c'est très simple, tu m'envoies ton clip sur n'importe quel Call of Duty, même Battlefield on peut faire si vraiment c'est un beau truc, à mon adresse thefraghd@gmail.com. Si tu as aimé cet editing, ce qui doit vraiment être le cas, dirige-toi sur la chaîne de mon éditeur Metallicama 7, il est dans ma subbox, c'est lui qui a fait les transitions, l'intro, l'image quand je parle. Donc, il fait des montages, des super vidéos. En attendant, j'espère que ce petit Top 10 Kills vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la vidéo en favori, ça m'aiderait vraiment à me faire connaître. Et je vous dis ciao les gars.